billetteur dont je me sens peu. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je t'aimais. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me tremble. Je me demande pourquoi je t'ai guidé. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je t'aimerai. Un jour quand mes voyages ont repris. Et qu'au fond de moi j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment je pourrais m'arrêter. Mille après mille je suis triste. Mille après mille je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je vais t'aimer. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je vais t'aimer. Wally, c'est avec ce prénom qu'il avait sa place au milieu de nous et qu'il répondait à nos attentes et à notre amour. C'est le prénom que nous aimions lui donner, Wally. Il était la musique de sa présence. C'était lui, tout simplement, Wally. Maintenant, Seigneur, pour nous, il ne chante plus ce prénom. Il résonne comme une absence, comme un cri dans le silence. Ce prénom, Seigneur, nous le crions vers toi comme un appel. C'est tout ce que nous parvenons à dire aujourd'hui. Alors que notre cœur est rempli de tristesse. Wally, c'est le prénom que tu lui as donné, Seigneur, au jour de son baptême, et par lequel tu continues de l'appeler comme un enfant bien-aimé à qui on apprend les premiers pas de la vie. Par ce prénom, tu l'as appelé, Seigneur, à progresser selon l'évangile de ton Fils et à grandir en se dépassant à l'image de ton Fils pour le bonheur de toutes les personnes qu'il côtoyait. Aujourd'hui, Seigneur, comme un Père qui ouvre ses bras, tu l'invites avec ce prénom
à s'approcher de toi pour t'entendre lui dire « Viens, Wally, viens, ne crains pas, tout est préparé pour toi. » Comment pourrais-tu, Seigneur, oublier ceux et celles que toi-même as nommés les enfants de ton amour? Maintenant, j'inviterai Marie-Ève à nous partager des beaux souvenirs sur son grand-papa. Papy, maman veut pas me donner du chocolat. Ça me fait de la peine. Donne-moi 2 minutes, Marie-Ève. Je passe au dépanneur, puis j'arrive. Marie-Ève, viens voir la balançoire puis les gros tas de feuilles que j'ai fait pour toi sur le terrain. Regardez, lui, le violoniste là-bas, c'est mon grand-père. C'est le meilleur. Excuse. Ah, c'est capable. Il est content. Il est fier de toi. Oh, oui. Il sait que je suis braillarde. Fait que... Ça l'aura surpris, tu le fasses pas. Ouais, c'est ça. Marie-Ève, j'aime ça quand tu me peignes les cheveux. Mamie, j'ai envie de jouer au badminton. Il est où, papy? Papy, il travaille autour de la maison ou dans le jardin. Va le voir. Il va vouloir faire une pause avec toi. Mon papy, c'est tout ça. C'est le plus beau, le plus gentil, le plus travaillant. Puis un grand violoniste. C'est un grand amoureux de son Anita. Un père présent pour ses enfants. J'ai adoré t'observer regarder grand-maman avec des yeux puis un regard qui me font encore rêver aujourd'hui. J'ai adoré t'avoir près de moi aussi longtemps puis que tu me fasses l'honneur de connaître puis d'aimer mes enfants. Je ressens énormément de fierté en disant que tu étais mon grand-père, car tu étais un homme bon, apprécié de tous et si agréable à côtoyer. Tu mérites de belles retrouvailles avec la gang en haut. Grand-papa, je t'aime de tout mon cœur. Tu me manques déjà beaucoup. Voudrais-tu dire à mamie qu'elle me manque aussi? Ensemble, veillez sur nous. La famille tient à vous remercier de votre présence ici aujourd'hui. On va écouter un petit extrait musical. Je vous invite à penser à mon grand-papa pendant ce temps-là. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the
the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Au début de cette liturgie en mémoire de Willie, il est bien d'assurer de notre affection et de notre sympathie ceux qui sont dans la peine. De façon particulière, j'ai les noms de Jackie et André, ses enfants, et évidemment de ses arrière-petits et arrière-petits-enfants. Arrière, 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 non pas. Je n'ai pas vécu assez longtemps. Cette liturgie est aussi une occasion d'affirmer les liens d'amitié et d'affection que nous tissons au long de notre vie et qui ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est une occasion de nous recueillir, de prier, d'écouter des beaux chants, comme on vient de le voir, et aussi la parole de Dieu, et de nous rappeler ce qu'il y a eu de beau, de vrai et de grand dans la vie de Willie, tout en demandant à Dieu de l'accueillir. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que Willie, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Maintenant, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre ce détachement. La parole de Dieu est toujours pleine de paroles qui nous encouragent et qui nous donnent, nous aident à aider à trouver un sens à notre vie. Le livre de la Sagesse, par exemple, dit « Dieu a créé l'homme pour une existence, l'homme et la femme, évidemment, pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Pour lui, le départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Et Saint Jean nous dit ces paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Je crois que ce sont des paroles vraiment réconfortantes qui nous donnent une espérance dans
quelque chose d'autre après cette vie terrestre. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Cette parole de Jésus que nous venons d'entendre dans l'Évangile s'est réalisée pour Wally aujourd'hui. Le Seigneur est venu le prendre pour l'amener avec lui dans son paradis. La paix et la sérénité que son visage a toujours dégagé, comme nous l'avons entendu dans le témoignage, c'est la preuve du bonheur dans lequel il est immergé maintenant. La longue vie de Willy a été prolifique. Il a mis au service de tous ceux et celles qu'il a côtoyés durant sa vie les nombreux talents que Dieu lui avait donné. Wally était un homme de grand cœur. Sa foi en Dieu a été un grand soutien pour lui. Aujourd'hui, Wally contemple ce Dieu d'amour. Je suis sûr qu'il est heureux de la place que Jésus lui a préparé. Quelle joie pour lui d'avoir retrouvé tous ceux et celles qui l'ont précédé au ciel, comme sa chère épouse Anita, ainsi que ses parents Andrew et Edwidge. Quelle joie de voir du haut des cieux tous ceux et celles qu'il a aimés et qui sont encore en son monde. Tous ceux et celles qui sont ici pour lui rendre hommage et qui prient pour lui. Oui, du haut des cieux, il voudrait tellement pouvoir vous dire ça vaut la peine de souffrir durant quelques années sur cette terre quand la beauté et le bonheur éternel sont indescriptibles. À sa façon, Wally est présent au milieu de nous aujourd'hui. Et il vous assure que si vous croyez en Dieu comme lui y a cru, il pourra vous venir en aide en intercédant pour vous auprès de Dieu. J'ai su que Wally était un bon vivant, c'est bien comme ça, et qu'il était un excellent joueur de violon. Le petit violon n'est pas là, là. Ce talent que Dieu lui a donné et qu'il a fait fructifier pour répandre la joie autour de lui dans les belles fêtes de famille. Wally continue au paradis de semer la joie et le bonheur avec son violon, car là-haut, nous pouvons faire tout ce qui nous faisait, qui faisait notre bonheur sur cette terre. Je vous dis ça parce que j'ai déjà entendu un pape, j'ai vécu 37 ans à Rome, donc j'en ai vu quelques-uns, puis il y en a un, je ne sais pas, on est tous plus ou moins. Paul VI, ça vous dit quelque chose? Loin en arrière, ça. J'étais là dans ce temps-là. Puis une fois, il a dit, dans un sermon qu'il faisait, il dit, qui sait si le bon Dieu, c'est le pape là qui parle, si le bon Dieu ne nous fera pas retrouver au ciel les petits animaux que nous avions avec nous sur terre et qui faisaient notre bonheur. Rien n'est impossible à Dieu. Il y en a qui disent, mais ils n'ont pas un âme immortelle. Ah, pour Dieu, rien n'est impossible. Alors voilà, au ciel, Dieu nous comble de tout ce... Parce que ici-bas, le bonheur qu'on a, les joies, sont très éphémères en comparaison de celles d'en haut. Mais il permet sûrement que ce qui faisait notre bonheur ici-bas puisse continuer là-haut. Alors, ce n'est qu'un au revoir, comme vous dites aujourd'hui, à Willy. Et cet au revoir, j'en suis certain,
est accompagné de beaucoup d'amour et de reconnaissance pour les beaux moments passés avec lui durant sa vie. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth and fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. Notre vie, comme les saisons, est un long voyage et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver l'amour et le véritable bonheur. Prions Dieu pour ses bienfaits dans la vie de Willie qui nous a quittés. Après chaque intention, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Willie a vécu, pour ses années de jeunesse et pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Willie a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, son énergie, sa tendresse auprès de sa famille et de ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Willie a vécu,
pour ses temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu dans sa famille. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Willie a traversés, pour ses temps de dépouillement et d'épreuve où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette cinquième saison dans laquelle Willie est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père de toutes les saisons, notre vie est entre tes mains. Accorde aujourd'hui à Willie de découvrir la clarté de ton visage et la joie de te voir face à face. Amen. Maintenant, ensemble, nous allons réciter cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est venu le moment de dire adieu à Willie. C'est un moment difficile, plein d'émotions et de tristesse. Nous le faisons dans la foi et l'espérance de nous retrouver un jour avec tous ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont aimés sur cette terre. Nous prions pour que Dieu soit miséricordieux envers Willie. Que Jésus, le bon pasteur, guide Willie vers la demeure éternelle auprès de Dieu notre Père, afin qu'il soit heureux en présence de tous les saints et saintes du ciel. Que ce dernier adieu soit l'expression de notre amour sincère envers Willie. Qu'il atténue notre tristesse et qu'il renforcisse notre espérance de nous revoir un jour. Dire adieu, c'est accepter de tout remettre entre les mains de Dieu. Dans la foi de l'Église, nous nous souvenons que Willie est l'enfant de Dieu. Baptisé dans la mort et la résurrection du Christ, c'est aussi par lui que nous recevons la vie éternelle. C'est pourquoi, quand vient l'adieu de l'Église, c'est avec l'eau du baptême que nous bénissons et honorons les cendres des enfants que Dieu aime. Votre bénédiction. Jeune homme. Noyé, il n'est pas là. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Willie, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ
ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse accueille notre prière pour Willy qui vient de nous quitter. Et nous, qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère Willy auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À la sortie de la chapelle, il y a un panier en paille. Là. Si vous voulez laisser des offrandes, elles serviront pour des célébrations eucharistiques pour Willy. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est ainsi que se conclut la cérémonie. Je voudrais remercier l'abbé Côté pour les belles paroles. Je voudrais remercier aussi à tous ceux et celles qui se sont déplacés. Merci Marie-Ève pour le témoignage très émouvant que tu as livré. Avant de se laisser et d'aller continuer là, la rencontre à la salle de réception, parce que la famille vous invite à continuer à jaser avec eux là, avec un goûter qui vous sera servi. Juste en sortant de la chapelle à gauche, il y a un escalier ou un ascenseur pour les gens qui ont de la difficulté qui va vous amener à notre salle de réception. Il y a deux pièces qui nous restaient. Écoutez, deux pièces musicales de circonstances. Il y a la chanson de Patrick Normand, « Percer les nuages », que l'auteur a écrit en pensant à son père là, qui était décédé. C'est une très belle chanson. Mais il y a aussi une partie de la vie de Willy qui était jouer du violon. On avait beaucoup parlé là, quand j'ai rencontré la famille. Après ça, on a une pièce, le « Amazing Grace » qui joue au violon par un artiste dont je suis incapable de prononcer le nom. Je suis désolé, mais je vous inviterai, là, si vous voulez vous réunir pendant ces deux pièces-là, jaser autour, puis mettre la main sur l'urne, dire un dernier au revoir à M. Angers, lui souhaiter bon voyage, ça sera le moment de le faire. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous offre en mon nom personnel et puis au nom de tous mes collègues ici, mes plus sincères condoléances. Merci de vous être déplacés aussi pour être venus supporter la famille. Bon courage et je vous souhaite à tous que l'année 2023 soit pour vous signe de santé, de moins de tracas de ce genre. Alors, merci à tous. Perce les nuages d'ici jusqu'au large au grand soleil. Tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi. J'en ai besoin. Toi, le vent de la mer. Va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui. Où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où
là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Là où mon